Et y'a plus petit pote, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement sur le tournoi mondial, les gars. Donc je l'ai pas encore commencé, je suis à 0 victoire simplement. J'ai pas encore commencé. On va le commencer avec vous, les gars. Et puis voilà, avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et merci à ceux qui feront. Et on est parti. On va commencer à prendre les Fletchers. La charrette, très bonne carte. Hein. On passe plutôt sur du mortier, je pense. On va prendre les épices, ils sont très forts. Hein. La boule de feu, parce que le 6 ne gratte plus trop et je pense pas qu'il y ait de bâtiment. Alors là, je pense qu'on va prendre la princesse. C'est très très fort. Hein. Ah, le gang là pour défendre. Et ouais. Alors, je vais prendre le prince ténèbre. Ah, je prends le prince ténèbre, ouais. Alors là j'ai mortier uniquement, j'ai la princesse qui compte comme une condition parce qu'on va la mettre quasiment tout en haut pont. Donc voilà. Alors on attend que Watch Me finit là. Hop, choisisse. Oh quel casse-couille. Ah, ok, nickel. Ok, bon. Allez, on part sur du mortier first play. On a rien à foutre les gars. Ok, du géant, d'accord, oui, on va mettre des apices, on va mettre une princesse aussi, hop, nickel, on devrait défendre, dans tous les cas, je vais rajouter, je pense, une charrette, alors ce qui est dommage, c'est que les cartes ne sont pas étoilées, ça c'est chiant. Ok, alors attendez, je vais mettre une charrette, je pense, ok, très bien, j'ai boule de feu ou pas, est-ce que j'ai boule de feu? Ouais, en vrai il me donne une bonne value là, on va les boules d'œuf tout ça, voilà nickel, il n'y a plus grand chose pour les gérer. S'il défend, je pars en... Attends, on va voir ce qu'il met. La charrette, le... ça très bien, on part sur un morceau de l'autre côté alors. On met une bonne pression parce que là il n'y a plus trop d'élixir normalement. On va se prendre un coup de... Oh, on va pas se prendre deux coups du coup. On va mettre le gang aux dernières secondes comme d'habitude. Hop, voilà, comme ceci. Ah merde, je voulais que le but c'était que la tour touche en fait. Ouais, je défends comment, attends, mettre des épices comme ceci, je pense que ça passe en vrai. Alors, c'est mieux si on les rate pas en général. C'est mal, on va mettre une princesse au pont. On va mettre une princesse au pont pour qu'on passe un petit peu de dégâts qu'on a pris. Ok, nickel, la princesse connecte un coup. La princesse, deux coups. La princesse, trois coups. Nickel, ok, bon, trois coups, ça me va très bien. Oh, les machins, mais il est méga agressif. On va mettre une charrette. Hop. Là il y a moins qu'on prenne cher, donc je pense que je vais acheter comme un Dark Prince. Même si je sais que ça peut... Ça fait cher. Ok, ça va, il s'est un peu cher la défense parce qu'il met un poison en plus. Ce qui est un peu débile de sa part en soi. Hop, nickel. Et là on peut partir en... Ah oui, il a un colis. Ouais, ok, nickel. Il y aura jamais assez pour le colis. Nickel. Bon là, la boule qui se fait défoncer. Et là on va les mettre deux bons dommages. Et les gobelins, on va pouvoir fireball tout ça. Hop. Ok, très bien. Pour l'instant on est bien, pour l'instant tout va pour le mieux. Ok, archer, on va mettre un mortier défensif, là on va battre du mortier défensif, on va mettre une princesse au pont aussi. Que j'ai. La chatte qu'il a eu. Alors attendez, là je sais pas trop comment défendre. Je vais mettre un Dark Prince. On va déjà fireball tout ça. Dans tous les cas ça va sur le mortier, donc dans tous les cas ça va sur les épices. Donc ça c'est défendu. Je vais mettre un mortier offensive et je vais mettre une princesse au pont, comme ceci. Ah, il a pris shot, je crois. Non, ok, c'est bon. Nice, on va remettre des apices, les apices sont beaucoup trop forts. Nickel, bon, on prend la tour, c'est déjà cool. Ok, là, malheureusement, la princesse ne reste pas en vie. On va mettre le gang, on peut mettre le dark. Et on va défendre cette première win contre Watch Me. Hop, nickel, on peut mettre un mortier hein, pour tanker. Et puis voilà. Bon, on se... Et voilà les gars, on est parti pour la prochaine game. On va prendre le Zappy directement. Ok, la MG. On va prendre tout ce qui est ultra polyvalent. On va prendre le mortier. Là, j'ai bien envie de prendre le sorcier. Petite tornade, évidemment. Le chevalier qui est très très fort. Hein. J'ai une tornade donc j'ai plutôt opté pour la tour à bombe. Et on va prendre. Ah, mais j'ai pas de temple là. Je vais te passer là. On fireball, ok, bon là mon tech, j'ai double bâtiment. Ouais, ça va être la merde là. On aurait peut-être pas dû prendre le mortier, j'aurais dû prendre les sapeurs, mais ça n'a aucun sens en tous les cas. Ok, bon là, on a une bonne main de départ.
On va se permettre de jouer en extérieur fois. Oh, mais attends, c'est pas le. Non, donc avant. Pourquoi? Ok, alors. Ok. Non, c'est pas le avant. Ok, mettre le zappy. Ah, yes. Ok, alors là, il a une value là. Là, les gars, le zappy, il va se faire plaisir. Hein. Moi, je vous le dis. Hop, voilà, nickel. Je vais aller l'accompagner avec un sorcier bien ici. Hop. Pas trop près pour pas qu'il ait une value. De gros sorts. Oh, des barbares d'élite. Oh, il les est bien placés. Bien joli, il est bien placé. Ça lui a coûté cher cette défense. Hop, ouais, donc on peut se permettre de mettre un mortier. Au pire, on a la MG, on a la tornade, tout ce qu'il faut. Voilà, on a le cheche. Hop, le cheche. Ah, yes, que j'ai bien évidemment raté sur le rôle. Hop. Il va devoir redéfendre le cheche. Ok, donc ça, c'est bien. Ok, des archers, on va boule de fait ça. Ça. Je prends avec grand plaisir ça. Nickel. Bon, là, je pense qu'on a à peu près pareil en Alex. Ok, pas du tout. On va mettre une tour qui va largement défendre si on n'y a pas de séisme. Enfin, il est au pire, elle a passé, attends. Cas où. Non. Je vais pas défendre plus. Si je vais défendre plus. Hop. Ok, bon, la tour qui gère bien. Bon, on a un petit counter. On a double bâtiment, on a une tornade. Bon. On se met plutôt bien, quoi. Bon, là, il doit être ultra bien en exir. Ouais, c'est de ce que je me disais. Il doit être ultra bien en exir, et moi, c'est la merde. On va lui donner l'impression que c'est pas de la merde et que nous si on est pas mal en Elex. Oh ben, c'est pas mal là, oui. Je vais pouvoir limiter les dégâts. Hein, je pourrais pas malheureusement rater les dégâts. Par contre là il a plus d'Elex là. Là moi je vous le dis les gars il a walpé. Le barbare qui fait très très mal. Ah le barbare qui pique. Hein. Il pique le barbare d'élite. Alors qu'est-ce que quand il va défendre. Mais juste un zap. Ok, il met ça, très bien. On va mettre ça. On va se permettre de prendre un coup je pense. Ouais, on va se permettre de prendre un coup. En vrai, le problème, c'est qu'on n'a pas de tank pour le zappy, c'est chiant. On va partir, ouais, on zappy bien haut. Ouais, donc il met ça en plus, parfait. Ça nous donne une petite value. Plaisir. Ah, d'accord. S'il sait pas. Enfin, si, le seul, du coup, mais nickel, regarde. Et là, on a un tank. Alors, là, on n'a plus de tank, du coup. Oh, quel casse-couille. Bon, on a re un zappy déjà, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a re un zappy du coup. Un deuxième zappy, il va devoir gérer deux zappies et ça c'est bueno, c'est ce qu'on veut. Il va mettre ça, d'accord. On va mettre le sorcier qui va juste défendre tranquillement. Je vais le tornade le sorcier pour pas qu'il meure. Ah, ah ouais, grosse tornade lourde. Hein. Je pense, j'ai préféré mettre le mortier comme ça. Ah ouais, je mets des beaux que trucs là. Oh c'est honteux, mais comment ça il y a trois bons mes frères. C'est même pas drôle, c'est bon. Il ne me laisse pas derrière les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon clan les gars. Hop. Enfin, moi qui voulais percer, bah je crois que là c'est mort. Hein. On va prendre j'ai flèche. Hein. Flèche. Le ballon qui est très très fort. Hein. Ce problème c'est que j'ai peur qu'on ait encore pas de tank. Je vais prendre ça quand même. Je vais prendre ouais, le gun de glace, ça vient avec le ballon, mais je vais prendre ça. Ah, lourd. Prendre le dart et oula, c'est une catastrophe. Mon deck, c'est une catastrophe. En vrai, il est polyvalent. En vrai, il est polyvalent, mais c'est une catastrophe. Moi, je vous dis. Ah ouais, en plus, on a la main de départ la plus claquée au possible. Ah ouais, évidemment, c'est pas drôle. J'aurais pu Fireball, hein. J'aurais pu, mais trop tard. Malheureusement, on va prendre deux coups. Le sorcier qui devrait pas mourir, qui devrait s'en HP. Voilà, nickel, tout ce qui est prévu. Ah, c'est pas mal ce qu'il vient de faire, là. Ah ouais, grosse dinguerie, là. Bon, les gars, vous le voyez venir, le move, hop. Et là, on va pouvoir partir en pompe directement, hop. Voilà, nickel. On a qui la tour du roi, on a une pompe sur le terrain, on a un pêcheur, on est vachement bien. On est très très bien là. Et là j'ai limite. Oh le con. Oh les gars, oh le con. Oh le con les gars. Alors les gars là, oh le con, moi je vous le dis. Moi je vous le dis les gars, le con. Ah non mais là il est dans la merde là.
J'étais quasiment à 0 dès que... Oula. On prend un bon côté alors. J'essaie de pécho quand même le Zappy. Hein. Ah. J'ai envie de die. Attends, il a combien d'élèves juste? Non mais... Non, parce que c'est drôle une seconde, mais bon. Oh non, le PK qui a fait coco. Allez, tape. Ok, elle met une bonne fireball là. Hop, nickel. Bon. Ce que j'ai envie de faire, par contre, c'est de remettre une pompe. Là, je sais qu'il a plus d'Elex là. Moi, j'ai une pompe depuis tout à l'heure qui pompe, donc je sais pas, j'ai pas trop combien d'Elex là, mais je pense que je suis bien mieux que lui. Ça, c'est même sûr. Alors attends, parce que du coup il a rien comme aérien, on va mettre en tarte au point en mode YOLO. Ok, nickel. Alors là, il a utilisé 9, donc là, on est quasiment semi-lex. Je peux permettre de partir en PK. Nickel. Alors là, je vais pouvoir mettre un PK ballon, voilà, typiquement pour ça. Là, les gars, on a flèche boule d'œuf, là. Allez, mettons sorcier, voilà, merci, exactement ce que je voulais. Ah, c'est un focus le PK, c'est pas magnifique ça, les gars. Nickel. Voilà, ballon qui va aller prendre la tour, c'est même sûr. On met le dart bien haut pour que ça focus d'abord ça. Oh le con. Il y a plus de foudre. Donc déjà, je peux me permettre de pompe. Et ça, c'est pas mal ça. Oh le dart. Oh les gars, le dart. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Il a quoi pour attaquer en fait? Il a un bûcheron, ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal le spam là, ouais, ouais. Un petit mousquetaire pour aller dépop tout ça. Voilà, nickel. Mon scooter qui fait le taf. Hein. Le PK, bah, qui a tout détruit en fait. Et on va partir sur cette deuxième win, hop, carré. Et là on va les prendre, au pire on allait prendre deux coups de ballon là. Et puis voilà. Allez les gars, on se retrouve. Et non voilà les gars, parti pour la prochaine game. On va prendre la princesse, non j'ai pris sur ces glaces, le con. On va prendre la Valkyrie. Bah les squelettes évidemment, ça c'est la base. On va prendre le jambon vert qui est très très fort. Hein. Un peu sous-estimé, bon du coup la tornade. Bah je vais prendre la roquette du coup. Je vais prendre la roquette. Ah ouais, là, on a pas mal de trucs pour aller chercher la tour là. On va prendre un DDE. Alors attends, qu'est-ce qu'il a très bien avec mon deck? Le géant, je pense que c'est pas mal le géant. J'ai rien pour accompagner, j'ai aucune troupe qui va ensemble. Hein. Ok, bon. Partir en squelette. On va mettre une grosse pompe, on en a rien à foutre les gars. Hop. Voilà, nickel, nuée des bots, pourquoi pas. On va commencer par être autour du roi, déjà, c'est déjà pas mal. Hop, nickel. Parfait. On est déjà trop bien. On est déjà beaucoup trop bien, les gars. On est déjà beaucoup trop bien, moi, je vous le dis. Ok, mine charrette, on va partir en géant. On va mettre un jambon vert. Hein. Ok, attendez. Là, j'attends de voir s'il n'y a pas une roquette value à faire, là. Attendez. Genre comme ça, là. Qui est trop pas mal là. Ah ouais, gros qui est trop là. Ah ouais, ouais, ouais. Grosse dinguerie les gars là. Il force par contre. Et je peux... Un séminaire c'est qu'il force et je peux rien faire. J'ai mis ma roquette. Je pensais l'archer elle est plus avancée. Oula. Bon, là je l'ai vu. Hein. Là j'ai clairement vu c'est là. Non. J'ai mis ma Valkyrie. Dommage. Bon du coup j'ai parti en princesse au pont. Hop. Allez le pré-shot des bats. Hop, est-ce que tu es là Non mais ça, non mais c'est honteux. En des limites dès qu'il... Oh oui, il redéfend. Attends, est-ce que... La question c'est est-ce que le pêcheur meurt? Si le pêcheur il meurt, je peux me permettre... Oh. Attendez, il a quoi? Il y a une charrette. Alors forceur ce mec. Il a envoyé tout son Elex là que je vais pouvoir défendre avec 3. C'est pas ouf ça de faire ça. Là, du coup je sais qu'il a 0 Elex là. J'ai défendu 9 avec 3 les gars. Ah, moi je vous le dis, il est mort là. Là j'ai mis un push là, il a pas 100 mètres. Hein, moi je vous le dis. Attendez, je vais mettre le jambon-beurre ici. Alors déjà pour bien le. Attendez. Ah bah t'as, je mets une princesse au pont là, mettre de l'eau. Oula. voilà, mais en fait s'il défend trop bien, c'est impossible de passer. Attendez. À moins que regardez. Hop, Théma, hop. Et là, si je spam, il fait comment là, si je spam? Et là, les gars, c'est la spam. Oh oui. Oh oui. Oh la bonne toto. Oh la bonne toto, les gars. Ah, je crois que je suis en train de passer là. Ah, je crois que je suis clairement en train de passer. On va rouquer ta gueule, les gars. Je vais pas prendre de risque.
Je vais mettre une princesse au pont, hop. On va aller prendre cette tour déjà. Voilà, nickel. Il prend ma tour aussi, mais ça c'est pas grave. La Vati qui va s'en occuper, c'est faux. Attendez, faut que je fasse ultra gaffe là comment je joue. Je vais mettre un géant déjà pour commencer. Un premier géant. Alors la charrette au pont, ça c'était clairement pas prévu. J'avais oublié que ça existait cette charrette de merde. On va laisser la tour du roi assumer les dommages. Hein. Je vais cycler les squelettes. On va bien évidemment mettre une princesse. Et là, les gars, on a recyclé le géant. Donc là, il peut être pas mal. C'est de faire ça. Ce qui peut être vraiment bien. Genre, vraiment, vraiment bien là. C'est de spam. Nickel. On a spam le jambon beurre au bon moment. Là, on a une bête de toto là. Là, si on spam, là, le double géant, ça fait méga mal. Hein. Hop, et là, on en a recyclé un. Hein. Et là, c'est le drame. Oh, la princesse qui m'a un coup et là c'est fini. Hein. Là j'ai juste à cycler une roquette et c'est fini les gars. Au pire le jeu on va le terminer pour moi je pense. Je vais roquette, c'est pas grave. Ok, bon bah là tout son tant mieux les gars. On passe 3ème win. Et puis voilà. C'est cool. Ok les gars, c'est reparti pour la prochaine game. Alors là, je vais prendre le électro-sorcier. La cage. Le bang. Le pêcheur. La boule de feu. Alors là c'est intéressant. J'ai envie de prendre le gobelin géant. Alors pourquoi le gobelin géant? Parce que le cimetière, j'ai trop de trucs pour... qui lui permet d'être tour du roi. Donc je vais prendre des flèches du coup je. Ah mais j'ai une boule de feu, voilà, nique ça. Allez, hop. J'ai un gobelin spam les gars, vous connaissez. Ouais j'ai un deck à 3.8. Alors par contre il va prendre 15 ans à choisir, il va faire péter une cap. Oh là mais qu'est-ce que c'est chiant les gens comme ça les gars. Dites-moi si vous en rencontrez souvent des casse-couilles comme ça là. Casse-couilles de première. Comme on dit dans le middle. Bon les gars, moi je vous le dis, vous aurez un épisode par jour là. Je pour le tournoi mondial. Puis voilà. Alors attendez, on va mettre le jeu gobelin. On s'en bat les couilles les gars. On s'en bat les couilles les gars. On s'en bat les couilles. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On va les couilles. Oula. Ouais, alors par contre, donne des boules de feu comme ça, mec. Moi ça me va. Hein. Je dirais pas non, t'inquiète. Hop. Et là, on est trop bien. Et là, on est déjà trop bien, les gars. Là, il a utilisé 10 milliards d'Elex. Ouais, d'accord, t'as un colis, mais moi je spam moi aussi. Moi aussi je sais faire ça, gros, t'inquiète, hein. Attends. Il a cru que j'étais qui là. Moi je suis Francis Spam, les gars. Hop, les deux gobelins qui vont les bien gratter. Et ça, c'est cool. Ok, mettre une cage. Même si je sais qu'on a pas 10 de Lex, c'est juste pour donner l'impression pour le bait. A voir si ça marche. Ok, là on a strictement rien à foutre, d'accord. Mm-hmm. C'est pas mal ça. Ok, bon. Ok, on a un gobelin sabacane, on va les flèches. Hop. Ça lui fait 3 pour 3. On a un petit gobelin sur le terrain qui va bien lui faire chier. Alors, quand il va défendre? Il défend quoi? Non, il défend pas. Ah si, what? Mais là, il est con. Ok, je pars de l'autre côté du coup, parce que l'autre tour elle est déjà trop basse, ça sert à rien. Ok, alors là. Alors là, écoutez-moi bien les gars. Là, si je prends pas sa tour, on prend plus rien au jeu. Ok, Fisherman, oh oui. Holy Wiz, les gars. Les gars, le spam, moi je vous dis les gars, c'est le spam d'une vie là. Oh là là, et la tour qui tombe, c'est pas magnifique ça. Et s'il aurait pas Rashkit là? Non, il a pas envie. Alors ça c'est pas cool. Moi je sais qu'il est à poil les gars. Là, là me fait pas de croire qu'il est pas à poil. Là il est à poil les gars. Moi je vous le dis direct en fait là, il est à poil. Il met sorcière. On va boule de feu flèche les gars. On en a plus rien à foutre ici. Hop. Ah ouais, c'est pas mal les fripons pour là. Et quand tu veux tu me refais ça Johnny là. Ah ouais, c'est vraiment pas malin. Hop, voilà, nickel. Je vais juste que le Dartimer, c'était juste mon seul projet. On va remettre une cage, hein. Allez, hop, c'est reparti. Il défend pas le gobelin, c'est un duro débile. Ouais, mais le gobelin, il va prendre quasiment un tour, là, non? Ouais. C'est bien le mot, quasiment. S'il y a un gobelin qui connecte. Ouais, je mets une boule d'œuf. C'est fait chez Finispa, il me semble. Hein. Ouais, Finispa. Un HP. Oh, le Sam. Bon, là, les gars, allez, hop, YOLO. Ouais, bah, ça fait deux.
On va la mettre bien, voilà. C'est obligé ça. On s'en fout les gars, on a gagné. On va même le troll. Allez, hop. Allez les gars, on s'en fout. Les gars, dernière game. Donc on va prendre le PK direct, les gars. Le PK, vous commencez à connaître, c'est ma zone de confort. J'ai limite. Je prends limite le gel, mais non. Ah, j'aurais dû. Pas grave. PK cochon, les gars. Oula. Oh, le deck de cancer que j'ai là. Ouh. Je prends la MG comme DPS. Non, là, je vais me prendre la Toto, parce qu'il y a un Zappy. Là, j'ai un deck de cancer, là. Oh ouais, j'aurais peut-être dû prendre le cheveu. Oula. J'ai un deck qui coûte 38, les gars. 4.6. Ouais. J'espère que le gars est nul, hein, parce que là, je vais me faire exploser, sinon. Ok, alors. Ouh. Parce qu'on va pour déjà 4 tours du roi, ça, c'est pas mal. Ok, il a 7 tours à bombe, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc combien de bons dommages? Alors les gars, écoutez-moi bien, si je gagne cette game, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai pas envie de poser, je vais attendre les tirs x2, les gars, j'ai un décaquet de point 6. Ok, je vous d'accord. Petit zappy dans le fond du terrain, tranquillement. Voilà, j'ai piqué un zappy cochon prince là. Une catastrophe. On va mettre notre NG ici, on va la sacrifier un peu parce que je sais qu'elle va mourir. Vous mettez un bourreau. Hop, ouais, nickel. Et là les gars, regardez. Théma, le spam d'une vie là. Hop. Le zappy il connecte là, non, on est d'accord. Ah non, on est pas d'accord. Ok. Oh let's go. Parce que là, il a plus trop d'Elex, là, je crois. C'est resté ce que je viens de faire, parce que si il défend, je suis dans la sauce, hein, moi je le dis. Ok, bon, ça va. Et main Valkyrie. Pour l'instant, ça va, on a de l'avantage pour l'instant. Pour l'instant. Problème. Alors, attendez. J'ai un mec qui remet un GR Fondap. S'il met un GR Fondap, il est mort, les gars. Moi je vous le dis, les gars, s'il met un GR Fondap, il est mort. Il pourra rien faire. Attends. Oh oui, j'ai repris. Rien à foutre les gars, enfin, bas les couilles. Moi Royal, bas les couilles de l'Himalaya. Ah ouais, c'est vrai qu'il a sa merde là. Quel casse-couille. Non. Internet est un petit peu nul à chier je crois. Hop, ok bon. Alors attends, il va falloir gentil j'aime. On va partir en zappy de ce côté, pour l'instant. J'espère juste qu'elle peut mettre... Ok c'est bon, il vient de mettre une voleuse, j'aurais dû... Tout va bien. Ah, Fireball du coup, hop. Ah, les gars, au pire comme DPS, les gars. Au pire, on a le PK. Et là, il a plus rien. Alors là, il a plus rien, les gars. Là, il est à poil. Moi, je vous le dis, il est à poil. On va même... voilà, je vais quand même défendre. On va mettre bien le cochon ici. Voilà, nickel. C'est ça que je voulais. Voilà, nickel. Il a dévié le cochon. Ça, c'est parfait. Le cochon, les gars, qui fait bobo. Hein. Le cochon qui fait bobo. On va mettre le prince, comme ça, s'il met un GR, bah, ça charge sur le GR. On met un zappy là, du coup. Ok, il met un GR. Alors, ça m'arrange de mettre le GR maintenant. Ça m'arrange bien. Parce que là, du coup, je vais pouvoir PK. Là, je sais ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son DDE. Là, les gars, c'est un push inarrêtable, ça. C'est un push inarrêtable, les gars. Je dis pas qu'il peut l'arrêter là, voilà. Voilà les gars, voilà, c'est ça que je veux faire en fait. Oh là là, let's go. Oh, ça fait grave plaisir d'avoir gagné. Hop. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout à rejoindre mon clan. Et merci qu'ils feront. Et moi je vous dis à demain pour un coup.